Don't let me down. Don't let me down, down, down. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cheveux puisque je vais vous faire ma routine capillaire, ma routine pour les cheveux. C'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. Alors tout d'abord, mes cheveux, j'ai les cheveux, quand j'étais petite j'étais blonde, j'ai gardé mes cheveux blonds très tard et après j'ai commencé un peu à foncer avec le soleil, bon je pense que ça le fait un peu à tout le monde. J'ai encore quelques petites éclaircies blondes. Je me lave les cheveux quand j'ai les cheveux mouillés, mes cheveux bouclent. Autant si je me lisse les cheveux, ils vont rester lisses jusqu'à la prochaine fois que je vais me les laver. Autant si je mets les boucles, ils vont rester bouclés jusqu'à la prochaine fois. Donc voilà, je peux les onduler, je peux, voilà. J'ai très souvent les cheveux ondulés, puisque quand je prends ma douche, après le soir, enfin surtout que je faisais ça quand j'avais les cheveux longs, parce que ça me saoulait de le matin, soit de les lisser, soit de les boucler, donc ça me gavait. Je me faisais des nattes, et du coup le lendemain, je défaisais mes nattes et j'avais les cheveux ondulés. Donc j'ai coupé à peu près tout ça, ça m'a pas trop gênée. J'ai l'habitude de me faire avec les cheveux bouclés. Enfin, que les cheveux courts. Et je me suis jamais fait de tie and dye, de couleur, d'éclaircissement. Je me suis jamais fait de choses comme ça. Parce que voilà, donc là j'ai vraiment mes cheveux naturels. J'ai jamais touché à mes cheveux à part les couper. Donc voilà. Je vous ai pris les deux shampoings que j'utilise en ce moment. Hein, voilà. C'est les deux marques que j'adore pour les cheveux. Tout d'abord, vous avez Timothée. Timothée, c'est une marque que je dois utiliser depuis un an et demi. J'adore leurs soins, j'adore leurs shampoings. Garnier, c'est sans faute à chaque fois. Donc là, j'ai pris celui bon, pour les cheveux fragiles cassants. C'est une gamme de shampoings et de soins pour les cheveux spécial été. C'était pour les contre le chlore, donc les cheveux qui vont souvent à la piscine, le sel, la mer, tout ça pour les cheveux qui sont exposés au soleil. Et donc, franchement, je vous conseille d'aller voir cette gamme. Là, j'ai pas de produit de cette gamme parce que j'ai tout terminé l'année dernière. 4 soins. J'ai tout d'abord celui-ci, d'Ossi, que je vous avais déjà présenté dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais je l'avais pas du tout utilisé et là du coup je peux vous dire que je l'ai utilisé et que je l'ai adoré. Il rend les cheveux mais d'une souplesse, c'est incroyable. C'est un produit que j'ai depuis des lustres, je vous présente, mais genre ça doit faire genre 2 ans que je vous y présente. Enfin, j'ai les cheveux genre ils sont dans une catastrophe, genre ils sont plus bas de leur vie mes cheveux. J'utilise ce produit et c'est tout de suite, mais j'ai les cheveux de princesse. Je ne sais pas, je pense pas qu'il se trouve en grande surface. Je ne sais même pas s'il est encore disponible. Donc c'est L'Oréal Expert Intense Repair Masque Haute Nutrition pour les cheveux secs. C'est celui-ci que j'adore, franchement avec ma soeur on l'adore. C'est le Garnier Ultra Doux Masque Nutrition Intense. C'est celui à l'huile d'avocat au beurre karité pour les cheveux très secs ou frisés. Lui par contre je l'adore, je vous l'ai déjà présenté, je crois. C'est un masque, donc c'est un soin Garnier. Je le fais une fois toutes les 2 semaines pour au moins faire un soin à mes cheveux et pour les rendre un peu plus doux. Ne vous lavez pas les cheveux tous les jours, surtout nous les filles, parce que souvent quand on est une longueur et tout c'est ultra chiant. Mais ne vous lavez pas les cheveux tous les jours parce que déjà de 1 ça va les abîmer et ça va les rendre beaucoup plus gras. Voilà. Donc ça sert à rien. C'est celui que je préfère, c'est le Brit. Voilà, c'est celui que je rachète à chaque fois. Ça doit faire pas, ça fait pas très longtemps que j'utilise. Mais vraiment, il sauve des jours, il sauve des moments. Voilà. Donc c'est comme ça, vous le mettez, vous. Mais c'est pas possible, pourquoi j'ai jamais de batterie sur ce réflexe? Vous mettez votre racine. Vous mettez l'autre racine. Et ensuite vous massez, vous brossez. Shampoing sec, c'est pas ce que vous devez utiliser tous les jours. Moi je sais que je l'utilise vraiment en cas de dernier recours, c'est que j'ai pas envie de m'attacher les cheveux ou de sortir les cheveux comme ça. C'est cette gamme de produits que j'avais reçu de L'Oréal. Donc voilà, je vous les avais déjà présentés il y a un moment, donc je vous en reparle aujourd'hui. J'aime beaucoup vous reparler des produits que je vous ai testés il y a plusieurs mois. Donc voilà, c'est cette gamme de produits. Vous savez, il y a 3 produits roses. Vous avez celui donc pour haute et boucle, celui pour les cheveux lisses et celui pour le brushing. Donc moi j'utilise avant, donc soit me boucler les cheveux, soit me lisser les cheveux. C'est très bon produit et il protège vraiment très bien les cheveux. Il ne coûte pas si cher que ça pour des produits protecteurs de chaleur. Et en plus de ça, je sais plus ce que je voulais dire, vous pouvez les trouver à Monoprix parce qu'à chaque fois que je vais au Monoprix, je les vois. Voilà. Celle-ci, c'est une fois m'avoir lissé les cheveux ou quand je sors de la douche ou quoi que ce soit. C'est la Tangle Teaser. Moi personnellement, je trouve qu'elle démêle pas si bien les cheveux que ça. Je sais qu'en fait elle les abîme pas, quand elle les brosse elle les abîme pas, elle les rend hyper doux. Là par exemple je me suis brossé les cheveux avant de filmer la vidéo, ils sont hyper doux, hyper souples, hyper agréables au toucher. Donc voilà, mais je sais qu'elle démêle pas hyper bien les cheveux. Si, je l'adore, je l'ai trouvée dans le placard de ma salle de bain. Alors, je sais même pas l'existence de cette brosse. Elle démêle
hyper bien les cheveux. Conseil aussi, ne vous brossez pas tout le temps les cheveux parce que ça va les casser et ça va les fragiliser. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui se tout le temps les cheveux, ils se brossent tout le temps les cheveux. Un sèche-cheveux, j'ai celui-ci que mon tonton et ma tante et mon cousin m'avaient offert pour mon anniversaire il y a un an et demi, je crois. Sèche-cheveux qu'ont mes parents, c'est un peu un sèche-cheveux qui date des années 50. Je me sèche jamais les cheveux. C'est vraiment rare, ou alors c'est vraiment au dernier moment, genre je vais sortir et tout après. Il a plusieurs embouts, ça c'est l'embout que j'utilise souvent, puis là en plus avec mes cheveux courts ça va être plus pratique. Ce qui est bien c'est que c'est un système de trucs comme ça. Attendez, voilà, donc ça c'est un sèche-cheveux qui ravale la prise. Et c'est bien parce que quand vous voulez le mettre dans votre valise ou quand vous voulez le transporter, vous n'avez pas le câble qui fait 10 mètres et qui prend toute la place et qui est chiant. Babyliss Expert 2000. Voilà, c'est à peu près comme il est fait. Lisseur, j'ai celui-ci, donc j'ai changé de lisseur il n'y a pas très très longtemps puisque je l'ai reçu de la marque Remington, voilà, donc avec sa pochette etc. Avant j'avais un rouge, si vous avez regardé mes vidéos routine etc etc, vous l'avez vu, voilà, c'était un Babyliss, je crois, je l'avais acheté à moins 50% sur Amazon, il était trop 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 bien, du coup je l'ai passé à ma soeur qui est très très contente. Et puisque j'ai reçu celui-ci de Remington, comme je vous dis, voilà, donc je voulais vraiment 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 le tester. Je pense que vous le verrez à l'œuvre. Et il lisse beaucoup 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 mieux les cheveux et il abîme beaucoup moins les cheveux avec quand vous mettez de l'eau. Il met pas hyper longtemps à chauffer, donc ça c'est cool. Il est très 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 beau, il est bien, hein, franchement. Après bah, pour les faire les boucles, c'est pas le meilleur parce que vous voyez c'est que des plaques. Voilà, donc c'est pas le meilleur pour faire des boucles, mais il boucle quand même parce que je l'adore. Je savais plusieurs fois que je vous en parle, il est hyper hyper mousse. De la marque Beauté Live, voilà, et ça fait une mousse comme ça et ça gonfle un peu. Vous l'appliquez sur... ouais, je fais une petite démo en live, c'est bien. Et vous l'appliquez sur vos cheveux, donc ça va faire des trucs blancs mais c'est pas grave. Vous l'appliquez sur vos pointes, vous l'appliquez partout. J'en ai pas mis beaucoup parce que voilà. Je vais mettre de la laque, je utilise presque jamais de la laque, c'est vraiment quand je me fais des boucles ou j'ai envie que ma coiffure tienne assez longtemps. C'est un Timothée, il est parfait. Normalement je suis pas trop laque parce que je trouve que ça abîme les cheveux, j'aime pas trop. Mais lui il est vraiment, c'est ma laque parfaite, voilà. Tenue 24 heures, laque, nutrition intense, etc. Pas les cheveux qui s'abîment. Il sent hyper bon et il colle pas les cheveux en fait. Comme certaines laques, il y a des laques qui collent les cheveux, c'est horrible. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment vraiment qu'elle vous aura plu. C'était ma routine cheveux, donc je vous ai montré à peu près toutes les étapes que je fais à peu près quand je me lave les cheveux, quoi que ce soit. Très souvent c'est je me lave les cheveux et c'est fini, mais vraiment c'est vraiment pour vous montrer vraiment quand je fais une routine complète. Voilà, je vous ai présenté des produits vraiment qui me tient à cœur et que j'adore pour mes cheveux. J'ai pas trop des cheveux à plaindre, j'ai des liens à vous mettre dans la barre d'infos, des codes promo, des choses comme ça. Allez voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-moi un pouce si cette vidéo vous a plu et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Passez de bonnes vacances encore une fois. Profitez à fond. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Na 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 na.